Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de ceux qui croupissent dans le cachot du désespoir, disait le poète. Une phrase qui, à suffisance, résume le parcours ou alors le combat de l'invité du jour. Maria Colette Méfiré, journaliste de la grande épopée d'Equinox, à qui nous faisons un clin d'œil dans cette célébration des 20 ans d'existence. Maria Colette Méfiré, que nous retrouvons aussi comme activiste pour la défense des droits de la femme migrante sous d'autres cieux. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire-faire de la diaspora africaine. Notre invité de ce jour, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, Maria Colette Méfiré pour certains si vous avez souvenance, ou alors tout simplement Maman Colette, pour d'autres encore, Taco. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et je vous remercie au fond du cœur pour cette invitation qui me permettra en quelque sorte de donner mon point de vue et de partager avec vos téléspectateurs, vos spectateurs, de dire qui suis-je. Hein, et Tout l'honneur est nôtre de t'avoir, si tu me permets déjà de te tutoyer. Tu ne vas pas me refuser ça quand même. Et du coup, on le disait en introduction, on te voit très engagé dans la défense de la cause de la femme migrante. Mais peut-être la question avant tout, c'est savoir, mais c'est qui le migrant pour toi? Moi, je définis le migrant comme quelqu'un, une personne qui est courageux, qui est ambitieux, quelqu'un qui a décidé d'aller en aventure. Et quelqu'un qui est prêt à affronter tout parce qu'il cherche la réussite, non seulement sur le plan financier, mais ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan intellectuel, ça peut être sur tous les domaines. Donc, quelqu'un qui laisse sa patrie et pour une raison ou une autre, à la recherche de quelque chose. Ça peut être l'argent et ça peut être aussi le bonheur, la paix. Parce que si vous le savez, il y a certains qui quittent le pays parce qu'ils sont persécutés. Contraints de le faire. Ah oui, oui. Et ils ont besoin de la paix et surtout la paix intérieure. Eh bien, par contre, pourquoi la femme migrante? Pourquoi défendre particulièrement les droits de la femme migrante? Moi, je suis une femme et les femmes ont toujours été considérées comme la souche fragile ou faible. Et si déjà dans nos différents pays d'origine, on nous définit ainsi, même ici c'est le cas, hein. Moi je pense que... Ici c'est bien en Italie, sans vouloir te couper. Oui, ça en Italie. Les femmes italiennes ont lutté pour acquérir certains droits et elles continuent à se battre. Parfois, j'ai parlé des femmes italiennes. Nous sommes des étrangères et je pense qu'il y a parfois, on laisse le pays et on arrive dans un contexte un peu trop nouveau et parfois on n'a pas ce courage ou cette force de se relever et continuer son chemin. Et pour moi, défendre la femme, surtout la femme réfugiée, parce que je sais que ça veut dire être réfugiée, c'est pour porter la voix de cette catégorie de personnes qu'on attend, qui n'ont pas de voix. Moi, j'ai toujours été pour pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je fais avec beaucoup de fierté parce que je pense que cette catégorie de femmes ont besoin d'être écoutées et cette femme ont besoin d'être accompagnée pour pouvoir ressortir le meilleur d'elle. Alors voilà ce qui nous fait donc revenir sur un pan de ta présentation. C'était bien sûr, on t'a présenté comme la présidente récemment à la tête de l'association Mosaïco Action pour les réfugiés. Dans ton quotidien, comment se traduit plus concrètement cette action dont tu viens de parler?
On organise des rencontres. Si je peux parler, je peux parler des femmes parce que moi je m'occupe. C'est vrai que je suis la présidente nouvellement. On serait tenté de dire que nous aussi nous sommes un peu délaissés. Non, il y a d'autres qui mènent votre bataille. Moi je mène pour les femmes parce que on vit dans un contexte où les femmes réfugiées surtout ou demandeurs d'asile n'ont pas de voix. Et mon quotidien, notre quotidien en fait, ce que nous faisons dans l'association, et c'est d'accompagner cette femme à réaliser leurs rêves. Parce que dans notre association, on n'aime pas le mot aider. Parce que c'est comme si tu avais pitié de quelqu'un. Non, tu soutiens ou tu amènes cette personne à réaliser ses rêves. Donc, dans l'association, ce que je fais, nous organisons des rencontres. Oui. Des rencontres entre les femmes, parler des choses de femmes. Et on sensibilise quelles les femmes. Quelles sont ces choses de femmes? On parle de notre santé, la vie de la femme immigrée, la femme... son quotidien, c'est-à-dire la femme et en plus le préjugé qu'on a des femmes immigrées, surtout des femmes noires. Il faut que je précise parce qu'il y a un peu une différence entre la femme immigrée qui n'est pas noire et la femme immigrée noire. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que parfois la femme africaine est considérée comme une femme légère, une femme qui vit aux dépens de son corps, une femme qui n'a pas de valeur, une femme qui n'a pas de repère. Et c'est ça, cette narration ou narrative que nous essayons de changer. Ce sont des stéréotypes tout simplement ou alors ce sont des clichés dont tu as toi-même été victime à la première personne? Effectivement. Quand je suis arrivée au Cameroun, personne ne m'a jamais considérée comme une femme de la rue. Mais ici, même à l'âge que j'ai, on ne m'épargne pas. Donc, on se bat au quotidien pour pouvoir relever ces défis, faire voir au monde entier, ou surtout dans la population italienne, que les femmes immigrées, les femmes demandeurs d'asile ou les femmes réfugiées ont des ressources, ont des compétences, sont intelligentes. Même celles qui se considèrent, je ne sais pas, qui font un métier banal, elle est forte. Elle a des ressources, elle peut s'en sortir. Donc, c'est ce qu'on veut démontrer, que ce stéréotype-là, ce n'est pas du tout vrai. Et moi, je me bats. Chaque fois que j'ai l'opportunité, je dis en haute voix, les femmes qui arrivent, ce sont des femmes qui ont traversé beaucoup de situations très difficiles dans la vie et leur seul but est de réussir et de faire. Et il y a parfois, elles arrivent, elles sont vraiment traumatisées. J'ai eu la chance l'année passée d'aller en Sicile où j'ai travaillé avec la Croix-Rouge. La Sicile, italienne. C'est dans le sud de l'Italie, une localité par laquelle arrive bon nombre... À Lampedusa, parce que je sais que tout le monde entier connaît. Lampedusa. Donc j'ai eu à toucher avec mes doigts, pas seulement avec mes doigts, avec mes mains, avec mon cœur, la souffrance de ces femmes-là quand elles arrivent. Et en écoutant les histoires, je me suis dit, ces femmes ont besoin d'accompagnement. Et c'est ce que nous faisons. Nous organisons des rencontres, comme je le disais avant. Nous organisons des rencontres avec des psychologues, avec des médecins, pour connaître le système italien, comment elles peuvent marcher. Nous organisons encore des rencontres avec... avec des experts sur le travail pour parler, pour sensibiliser ces femmes et pour écouter ces femmes et connaître leurs besoins. Parce que je pense qu'à partir de leurs besoins, on peut savoir comment les orienter. Tu me diras peut-être, et tu m'arrêtes si je me trompe, tu me diras peut-être que à votre niveau, vous n'avez pas forcément besoin de vous sentir écouté, mais ma question, c'est précisément pour savoir si votre voix porte, c'est que vous avez besoin quand même d'une oreille. Est-ce que vous vous sentez écouté? Oui.
L'association Mosaïco est née en 2006. Et on a, moi, je suis arrivée en 2010. J'ai décidé de faire partie de cette association en 2011. On a eu à travailler durement. Et aujourd'hui, nous sommes sur le plan international avec des autres associations qui défendent les droits des immigrés et des droits des réfugiés. Et au niveau de l'Italie, également sur le plan national, nous sommes, c'est comme une référence. Et j'aimerais préciser ceci. Nous sommes la première association qui est née, qui a été créée par des réfugiés pour des réfugiés. Par des réfugiés et pour des réfugiés. Maintenant, je voudrais plutôt, si tu me permets, comme tout combat, celui-là aussi aura certainement ses risques ou alors tout simplement quelques difficultés. Les difficultés, on en a, mais on les transforme. C'est ça encore qui est important. On transforme ces difficultés en ressources. Ça nous donne toute la force d'aller de l'avant. Parce que quand on voit les ressources là, aujourd'hui, nous avons un projet, par exemple, qui concerne les étudiants et les réfugiés. Il y a de cela, quand je suis arrivée en 2010, les réfugiés ou les demandeurs d'asile n'avaient pas la possibilité, même ceux qui ont fréquenté dans leur pays respectif, de continuer les études. Aujourd'hui, cinq ans, on a des étudiants qui ont fini les études et c'est déjà, moi je peux dire, c'est déjà une bataille gagnée. Et nous sommes sur le bon chemin. Et on ne s'arrête pas là. Il n'y a rien qui va nous empêcher. On continue. Je pense que seulement en travaillant, on va arriver, on va donner, pas seulement une satisfaction personnelle. Parce que moi, comme les autres, le but est de voir ces enfants se réaliser. Vous écoutez, vous regardez La Vitrine de l'Emploi, vous êtes sur Radio Camille. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez le contenu si vous le trouvez intéressant. Maria-Colette Méphiré, c'est surtout une voix qui a porté, je vais dire, dans le Cameroun tout entier et surtout qui m'a bercé, qui m'a aussi nourri la passion de faire un jour ce métier. Ah, je ne savais pas. L'épopée 2000, Radio Equinox. Il y avait des grands noms, parmi lesquels le tien, Maria-Colette Méphiré. Je me souviens encore de cette phrase-là. Le condensé du journal en langue anglaise, avec vous, Maria-Colette Méphiré. On veut comprendre comment vous arrivez, comment tu arrives. Tu vois, c'est l'émotion. Ouais. Comment tu arrives à Radio Equinox? Comment ça se passe? Moi, je finis les études de journalisme à l'école de journalisme, c'est-à-dire l'ESTIC, la prestigieuse école. À Yaoundé en 2001 et en 2002, Monsieur Souverain Kunke me recrute. Le PDG du groupe Equinox et Nouvelle Expression, je crois. Et il me recrute à la radio comme présentatrice et reporter dans la rédaction en fait. Et ce qui est vraiment étonnant et je suis fière en quelque sorte parce que je me rappelle nos premiers pas. Ceux qui nous écoutaient pouvaient imaginer que dans cette salle de rédaction, il y en avait peut-être 20 personnes. Mais je vous dis sûrement. Et je fais partie de ceux-là qui pouvaient croire tout cela parce que vous nous avez fait rêver, il faut le dire. Ah ouais. Et cette rédaction, si je me rappelle, je ne me trompe pas. Dans le Dex francophonie, il y en avait Albert Oudouyondieu, Martin Kamume, Ida Tchap-Tapchom, Nathalie Wakam et Nana Paul Sabin. Et les autres sont arrivés après. Et dans le Dex anglophone, il y en avait deux personnes. Chas Ako et moi. Maria-Colette Méphiré. Vous pouvez imaginer le travail que nous avons abattu pour arriver au niveau où Equinox. Aujourd'hui, Equinox fête ses 20 ans. Et il faut dire aussi que ça fait partie des chaînes qui ont accompagné le processus, en fait, qui ont été la preuve de la diversification du paysage médiatique. La radio est née après la libération
le secteur audiovisuel, et cameroun. Mm. Et donc, ça a été vraiment, on était une petite équipe. Mm. Nous tous, on était jeunes et on venait de sortir de l'école. Il y avait ceux qui avaient un peu d'expérience, comme Tia Sako, qui m'a vraiment aidé dans cette tâche. Et moi, je me rappelle que pendant 9 ans, j'ai travaillé, parce que je peux dire presque chaque jour, à présenter le journal. Mm. Au début, c'était le journal de 7 heures et les flashs. Donc, du matin, je m'occupais du matin. Donc, ça signifie que presque pendant 9 ans, je me suis réveillée à 4h30. Et je n'habitais pas près de la radio. Moi, j'habitais à Makepe. 4h30 pour suivre ta passion. Oui, 4h30, je me réveillais, à 5h30, je devais descendre, à 5h10, je devais descendre pour attendre le taxi et arriver à la radio vers, disons, à 5h30, parce qu'il y avait le flash de 6h. Ouais. Et je n'ai jamais raté le flash. Et c'était une des éditions d'informations les plus suivies dans la ville de Douala, du moins. Et puis, il y avait le journal de 7 heures, le résultat de 7 heures. Le journal des sports aussi. Ouais, le journal des sports, si je ne me trompe pas, c'était avant à 6h30 avec Martin Camus, Nathalie Wakam. Nana Paul Sabin. Mais ça a été, ce que j'apprécie vraiment, c'était l'union. Parce qu'on était vraiment une équipe. Une équipe. Et on a eu à travailler. Après 6 mois, nous sommes devenus la radio la plus écoutée à Douala. Ouais. Donc on était devant RFI et le Pause National, la 105 FM qui avait déjà. Alors, juste comme ça, est-ce que tu as gardé quelques contacts de ces anciens collègues et tout? Effectivement, on s'écoute. Parce qu'il faut dire quand même, le temps a passé. Ah oui, on s'écoute, on a une page WhatsApp où on partage des informations pour savoir comment les choses sont en train de se dérouler au niveau du Cameroun, en fait, et surtout au niveau de la radio, parce que c'est un bébé pour nous. Nous l'avons vu naître. On va peut-être te laisser à la fin de cette émission l'occasion pour les 20 ans de célébration de l'existence de ces radios, de dire un mot. Je ne sais pas si ce sera au choix. Mais on sort tout doucement de ce programme. Maria Colette Mefiré, tu me permets de faire cette transition. Tu as évoqué le Cameroun, ton pays. C'est ma patrie, hein. Combien ce pays compte pour toi? Je ne peux même pas le décrire. Et mes racines sont là-bas. J'ai été née là-bas. Mes frères et mes soeurs sont là-bas. Mes amis, il y a certains qui sont encore là-bas. Le Cameroun, c'est ma vie. Pourtant, tu as dû le laisser pour un ailleurs. Je ne voulais même pas en parler, mais il faut que j'en parle. À un certain moment, quand tu constates que le contexte ne te permet pas d'évoluer et qu'il n'y a pas, en quelque sorte, la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Et de l'autre côté, si là où tu travailles, il n'y a pas, des conditions ne sont pas réunies pour te faire vivre. Parce qu'en dehors du travail, il faut aussi vivre, il faut avoir ton pain quotidien. Ce n'était plus vivable, en quelque sorte. Donc, j'ai décidé de faire l'aventure comme les autres le font. Et si vous le permettez, parce que pour les 20 ans d'Equinox, j'ai vu un post de... Nana Paul Sabin sur Facebook où il disait « Oh, nous sommes en train de fêter les 20 ans d'Equinox ». Il a publié certaines photos et quand j'ai vu, je me suis rappelé d'Equinox, mais moi j'étais un peu amère. Je voulais sauter de joie pour dire « Oh, mon bébé a grandi 20 ans », mais je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai de bons souvenirs avec mes collègues, ce que nous avons eu à faire. Malheureusement, on n'était pas soutenu dans quel sens? Les conditions de travail. Le management ne suivait pas. Le salaire était tellement bas, un salaire qui ne te permettait pas de vivre.
Et j'ai dans mon post, si vous pouvez aller sur Facebook, il y en a, j'ai demandé à ce que les dirigeants de cette radio changent les politiques, mettent en place une condition de travail qui permet à ceux... Parce que si vous regardez aujourd'hui, combien sont restés? Il y en a peu. Il y en a peu. Puisque tu évoques ce sujet, il y a certainement des jeunes étudiants en communication, en journalisme, des jeunes qui aimeraient suivre la même passion que tu as suivie il y a plusieurs décennies aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est bien de travailler. C'est un beau métier. Un beau métier, surtout dans un contexte où il y a la liberté. Le Cameroun change. Il y a ce que j'observe. Il y a un peu de liberté où les gens s'expriment, donnent leur point de vue. Critiquer ou donner, parce que dans notre contexte, si tu dois donner ton point de vue par rapport à certaines choses qui ne marchent pas dans notre pays, tu es opposant. Non. Pour construire un pays, il faut les deux côtés. Il faut des voix dissidentes. Il faut les deux voix. Et il faut les dirigeants, ceux qui dirigent, doivent écouter, même ceux qui ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ont des idées. On peut aussi utiliser ces idées-là pour construire. Et pour celui qui est humble, moi je parle d'humilité, peut comprendre qu'il y a quelque chose qui manque de l'autre côté et essaye de... d'ajuster et résoudre le problème, ce manquement. C'est ce qui manque vraiment. Nous allons sortir de ce programme. Vous voyez toute l'ambiance et la joie qui nous anime. Mais Maria-Colette Méphiré, je m'en voudrais vraiment de ne pas l'évoquer. Tu es du Cameroun, mais tu es originaire à la fois des deux parties, de ce mélange linguistique qui fait aujourd'hui problème, serait-on tenté de le dire au Cameroun? Je m'en voudrais, disais-je, de ne pas le mentionner. On a pu conduire cette émission en français. Pourtant, tu es principalement d'expression anglaise, alors que tu assumes bien ton Cameroun bilingue. Je suis fière d'être bilingue. Moi, je pense que je suis le fruit de ce bilinguisme de mon pays. Et je suis orgueilleuse de ça. Et si on pouvait tenter de te le demander, quel regard tu poses sur ce conflit, sur cette guerre fratricide à laquelle est en proie le pays depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui? Je suis attristée, vraiment attristée. Moi, comme tu le disais, mes parents viennent, ma mère vient du côté anglophone, précisément de Manfé, dans le sud-ouest. Et mon père venait de la partie de Fumban, à l'ouest du pays. Donc moi, je suis fière. Moi, je suis une Camerounaise. Et voir mon pays être divisé, être dans cette situation de guerre, je suis vraiment... triste, vraiment triste. Et c'est pour cela que moi, je suis contre la violence. Je prône pour la paix et je prône pour le dialogue. Parce que la violence ne nous amène nulle part. Ça fait 5 ans que cette guerre dure. Ça fait 5 ans que les gens souffrent. Ça fait 5 ans qu'on perd des vies des deux côtés. Et surtout des jeunes militaires, parce que je ne vois pas les vieillards, mais je vois les jeunes qui meurent, laissant derrière. Là, c'est la maman qui parle, qui laisse les parents. Et moi, je pense que ça ne sert à rien. Il faut l'ouverture, il faut le dialogue. Ça ne sert à rien de faire semblant de ne pas écouter, parce que nous tous, nous avons un cœur. Voir des bains de sang chaque jour, ça me rend triste. Donc, j'utilise votre chaîne pour... Je ne suis rien, mais je pense... Les autres l'ont dit, nous avons besoin de la paix au Cameroun. Nous sommes une famille. Donc, si les belligérants peuvent se mettre... d'accord, que se retrouver et trouver une solution durable à ce problème. Ça sera pour le bien de tous.
Ce sera pour le bien de tous. Voilà qui est bien dit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Et à vous, merci de nous avoir regardés, de votre attention et écoute. Au tout début, nous y avons cru. Nous avons amorcé l'aventure Radio Canut. Dans cette aventure, vous avez été nombreux à embarquer. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de vous. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez nos contenus, car nous avons besoin de vous. Merci.